Allez, bonjour, bonjour! J'espère que vous avez reconnu le générique de la série dessin animé Michel Vaillant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette BD qui tourne au milieu de l'univers automobile, qui est Michel Vaillant. Alors, cette BD qui a été inventée par Jean Graton en 1957, met en scène un pilote de Formule 1, vous l'avez compris, ou un pilote, pardon, d'automobile, Michel Vaillant, qui court pour l'écurie de son père sur la Vaillante. Il est considéré comme un excellent, voire le meilleur pilote du monde. Il doit par contre régler beaucoup de problèmes, que ce soit pendant la course ou en dehors de la course. Mais on suit ses aventures partout, puisqu'il nous emmène aux 24 heures du Mans, ou à Indianapolis, ou encore à Monaco. À l'heure actuelle, il y a 70 albums qui sont sortis de Michel Vaillant. Donc, vous avez les anciennes versions avec un dessin à l'ancienne, un peu à la Tintin. Et puis, on a la version moderne sortie l'année dernière, où là, le dessin et le graphisme sont photoshopés. Regardez, vous voyez, les images sont beaucoup plus claires. Michel Vaillant, au-delà d'être une BD qui a été adaptée en dessin animé, c'est aussi un film qui est sorti en 2003 et qui a été réalisé par Louis-Pascal Couvelaire. Et je vous conseille vraiment de le regarder. Vous allez passer un bon moment aux côtés de Michel Vaillant. Allez, bonne fin de journée, au revoir!